Oui! Shiny! Mimanti Shiny, putain! Mais genre, il arrivait avant l'autre connard, quoi! Oui! Shiny! Mimanti Shiny, putain! Mais genre, il arrivait avant l'autre connard, quoi! Donc 1927, je ne sais pas si c'est une bonne année, mais enfin, disons que sûrement le prix des glaces était un petit peu cher. Et voilà pourquoi il ne faut pas faire le focus. Mais bon, on va dire que c'est suffisant. Alors, on va en premier lieu hypnose. Donc, Mimanti, je ne pense pas que. Non, il peut pas se barrer, si je me souviens bien. Ah, c'est une femelle, c'est bien ça. Alors, ah, j'avais dit que si c'était une femelle, je ferais évoluer, mais j'attendrai. Et je vais lui mettre une scuba ball. Parce que le bleu, je trouve que ça lui va très bien. Et super pour le nom, parce que je voulais l'appeler Pierre de Lune. Parce que moi j'ai eu l'idée de la faire comme ça en chassant hier soir. Quand le jeu est en pleine nuit, il y a un. Alors je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais il y a un rayon de lune qui traverse les arbres et c'est super beau. Voilà, les beaux petits détails de soleil et lune. Un jeu qui soigne son emballage, mais pas le chocolat qu'il y a à l'intérieur, c'est dommage. Waouh! Exceptionnel! J'ai pas de ciné. Mais j'ai la chance d'avoir un magnifique peigne. Suite. Oui. Alors, Pierre de Lune. Non. Pierre. Appelé comme ça de lune. Ah, mais j'ai assez de place pour écrire Pierre normal en fait. Ouais. Ah, en fait, il y a beaucoup plus de lettres dans. Bon, on va écrire, on va effacer. Pierre de Lune.
inclure dans l'équipe. Et on va enlever Evoli, que j'ai sûrement dû remettre. Et oui, ce bon petit Evoli. Donc, bon, en fait, ça va être simple pour la WSHC. Donc, j'ai prévu de chasser dans les zones où il y a forcément ce petit Mimantis dégage. Et bah, dans la mesure où il est trop dans toutes les bonnes boucheries de Alola, bah, je pense que je retomberai sûrement dessus. Sûrement pendant une chasse de. Bah, je sais plus dans ce que j'avais prévu, mais sûrement pendant une chasse de Spododo ou une connerie du genre. Vous voyez là, il y a un petit rayon là. Enfin, je peux sauvegarder ici. Il y a un petit rayon là et. Par contre, la luminosité est faible, c'est un truc de fou. C'est mon portable qui est aussi faible. Non, c'est vraiment le jeu donc. Attends, chaque. Oh, food. Tais-toi. Voilà, c'est beaucoup plus beau. Et on va en faire une autre rencontre. Et Guériland. Ah, ça aussi, il faudrait que je le fasse. Par contre, là, il y a trop de lumière. Attends, bah du coup, attends, je vais remettre le jeu en normal. Peut-être que. C'est sûrement en fait l'écran qui est super long, qui est super sombre en fait. Je n'ai pas réussi à fuir, oh merde. Voilà. Et là, ça, c'est la technique pour s'enfuir, c'est comme ça. Voilà. La RNG. Donc, sur Ultra Lune, bah, je suis à 5996. Il n'y a toujours pas de shiny, ça commence à devenir chiant. Oh, il y a Croquin, mais bah, là, c'est sûr que je vais chasser dans cette zone en fait. Mais là, ça me saoule en fait. Parce que je voulais faire Trabagar, mais je sais pas pourquoi il n'apparaît pas dans les baies que j'ai dans ma disposition, parce que j'ai pas fini l'aventure. Je viens de finir l'épreuve de Mimantis, de Flora Mantis, enfin Mimantis, donc voilà. Oh bah c'est nickel en fait. Par contre on va le réveiller. On va le voir avec ses beaux yeux ouverts. Parce qu'il n'y a que ça qui. Il y a quasiment que ça qui change. Voilà. Mimantis, un beau petit Pokémon qui ne change malheureusement pas tant que ça, c'est dommage. Il se voit, hein. On va pas chier mais. Ah j'appelle ça un shiny décevant en fait. Contrairement à Sonic le Pangolin, dont je ne connais pas le vrai nom. Ah oui, attention, ça spoil ici. Hein. Il est blanc, mon chien. Voilà. Il aura fallu attendre quand même un an pour que je me mette à faire du vrai soleil et lune. Quoi. C'est vrai, quand même. C'est surtout pour avoir des shiny rapides avant la WSHC. Bon, du coup, c'était une cible pour un WSHC, mais bon, je voulais vite un shiny, vite. Il me faut les 100 shiny pour faire OO. Parce que voilà, il faut faire du full 4096 pour niquer les ricains et sans pression bien sûr. Ah bah c'est magnifique et c'est sur ce là qu'on va se quitter sur un magnifique petit pierre de lune Mimantis parfait. Bah. Ça c'est cadeau aussi, c'est offert par la maison. Ah ça c'est beau ça. S'il était plus près, on aurait pu faire une belle image, mais... Ouais. Oula, putain. Ah voilà, comme ça c'est bien. Ah là, c'est parfait. Y a rien à dire.